très belle éclaircie, aux yeux célestes sans goutte de pluie. T'es comme un baume sur mes plaies, mais je savais pas que je t'attendais. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et vous venez d'entendre un extrait de la chanson « Belle éclaircie » d'André Varin. Et je me corrige parce que j'avais dit premier album, mais ton deuxième album solo. Ouais. 40 ans de carrière quand même. Écoute, 40 ans. Délai, hein, c'est il y a un gros délai, en fait, parce que… Non, est-ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième album? Bien, en fait, c'était une suite de projets qui se sont raboutés l'un à l'autre. Il y a eu Noir et Blanc dans les années 80, 90. Après ça, il y a eu Chakidor qui a duré 15 ans. Mais juste Chakidor, c'était 8 albums quand même. Quand même, hein? J'ai écrit aussi, réalisé aussi 5 albums de front pour Tante Caroline, qui avait un personnage pour la musique pour enfants. Puis là, finalement, j'ai décidé que bon, ben, ce que j'écrivais là, ben, je me l'appropriais puis je me faisais un cadeau d'un Donc, album tu solo. Tu t'es fait un petit plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, c'est important, ça. Oui, parce que veux pas, quand tu travailles dans un projet qui représente plein de personnes, mais il y a toujours les négociations, les compromis, puis tout ça. Là, j'avais pas envie d'en avoir de compromis. J'avais envie de dire, moi, je veux garder moi, je ça comme très simple, inspiré d'une biographie de 600 pages de Johnny Cash que j'avais lue à fin de carrière, où ses trois derniers albums qui avaient quand même été réalisés par Rick Rubin, un acteur, un réalisateur d'albums rock et heavy rock. Puis juste ça, guitare, voix, puis on va meubler autour. C'est ce qu'on a fait. Donc c'est un album très épuré. Y a pas de, c'est pas overproduced. C'est un comme je les voulais. Est-ce que tu as des grands thèmes que tu voulais toucher? Tu parles de l'inspiration. L'amour. L'amour. C'est drôle parce que dans ma vie... On peut en parler longtemps. Dans ma vie, j'ai écrit beaucoup de chansons d'amour. Mais là, je vous le dis, je suis follement amoureux. Ça fait presque trois ans que je suis avec... Félicitations. Avec, merci beaucoup, ma femme. Puis l'amour, et pas juste l'amour pour ma femme, mais c'est l'amour de la famille au complet. J'ai 6 enfants avec Nanabelle, la petite puce. Je suis papy de 4 enfants aussi. Donc tout ça, c'est rempli d'amour, puis ça parle de ça. Puis un bel éclaircie, donc voilà, ta vie, t'es éclaircie, tout ça, c'est un jour, finalement. T'es un bel endroit dans ta vie. Est-ce que tu peux dire ça? Là, tout est parfait. Si tu regardes ton parcours, est-ce que tu te sens vraiment aujourd'hui, t'es accompli. Ben accompli. Non, parce qu'on veut continuer de rêver, tout ça. Oui. Mais je pourrais dire que je suis vraiment dans le haut de vague, de ce qui se passe dans ma vie. Tu sais, à 52 ans, j'ai l'impression de quand même maîtriser mon art. J'ai confiance en ce que j'ai à offrir aux gens. Moi, j'y crois. Oui. Puis avec l'expérience que j'ai, je me dis que s'il y a des chances que si j'aime, il y a beaucoup de gens qui vont aimer parce que je suis très critique, très autocritique, très sévère. Donc ça me plaît. Moi, je suis content de ce qui se passe dans ma vie. Je suis très, très occupé. Chanceux pour un musicien. Oui. Ma conjointe qui est musicienne aussi. D'ailleurs, on a un projet ensemble. Un album de Noël. Si oui, mais en fait, on a deux. On a sorti deux albums en même temps l'automne dernier sous la rubrique folk. Folklofolie. Donc, on a fait un album plus... Voilà, c'est ça. Parce que moi, j'ai toujours adoré la musique traditionnelle folklorique franco-canadienne. J'adore. Je vais en faire des spectacles jusque dans l'Ouest canadien, Calgary, Colombie-Britannique. Ça, tu fais des spectacles dans des écoles avec des jeunes. Tout à fait. Est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce qu'ils accrochent ou est-ce qu'ils te regardent avec... C'est intéressant parce que c'est pour ça que nous... Moi, j'ai jamais aimé faire un spectacle, asseyez-vous pendant 1 heure et demie puis écoutez-moi. Moi, j'aime ça parce que c'est interactif, les gens participent, ils bougent. Puis les enfants, c'est ça. Ils jouent des instruments, ils font un set carré, ils font danser des bonhommes gigueurs, ils jouent des cuillères. Donc, ça bouge beaucoup, puis ça plaît. Puis en France aussi, ils aiment beaucoup. Ouais, ben sûrement. Oui, sûrement. Tu disais, tu voyages un petit peu en ce moment en France? Pas mal, en fait. j'irai pas dans les amphithermels pays que j'ai fait, mais à l'époque de Chakidor, dans les 15 ans, c'était 64 fois en France en 15 ans. Il y a eu l'Allemagne, l'Autriche, Taïwan, la Guyane française, l'Afrique au Maroc, tout ça. Puis là, ben justement, il y a les invitations pour la France avec ces nouveaux projets-là qui sont venus pour juillet et octobre. Donc, Yannick, tu avais une question différente sur la diversification, parce que là, je t'entends parler, tu fais plein de choses. Mais j'ai plusieurs amis musiciens, puis souvent, on parle de comment rouler sa bosse, comment gagner sa vie aujourd'hui. Comme musicien. T'as réussi, t'as 40 ans d'expérience. Je veux dire, moi, c'est une grande phrase que j'avais croisée à un moment donné dans un festival. J'avais croisé Yves Lambert, anciennement de la Bottine Souriante. Puis j'ai dit merci pour le beau chemin que vous avez tracé pour des gens dans notre style de musique en France. Puis j'ai dit, vous me connaissez pas, c'est pas grave. J'ai dit, je suis juste un artiste indépendant. C'est là qu'il a dit, ah,
attention, il dit l'avenir est chez l'artiste indépendant. Parce qu'évidemment, si, le plus tu es capable d'en faire tout seul, bien le moins tu es obligé de diviser payer, la tarte, payer, puis ouais, payer, ouais. payer, payer, puis il te reste au bout du compte, et l'artiste, mais il te reste très peu. Ouais. Donc moi, j'encourage les jeunes artistes. Mais est-ce que c'est difficile? Parce que souvent, on entend entre autres que, bon, pour les artistes, ils doivent gérer tout le côté administratif. Parce que là, oui, tu fais tes bookings, tu fais tes promotions, tu fais ci, tu fais ça. Donc là, bien, vous avez l'exemple sur le set, le cuisinier qui est là. Je veux dire, lui, je suis sûr que sa passion, c'est au-dessus de la poêle, puis de mijoter des trucs extraordinaires. Mais la réalité, quand un restaurant, bien, il y a le papier de toilette dans la salle de bain des hommes. Ouais. Il faut pelleter l'entrée si on veut que les clients viennent en février. Donc, c'est sûr qu'il y a un côté, il faut se lever les manches puis dire, bon, bien, c'est plus intéressant de faire un spectacle sur scène que dire, oui, me voulez-vous? Ouais. Mais sauf que ça fait partie. Moi, je m'amuse même là-dedans. Ouais. Mais dans la vente de disques, qui a changé beaucoup avec l'Internet, avec iTunes, on parlait tantôt, tes trucs sont disponibles sur iTunes. L'économie musicale a changé beaucoup aussi. Ben, comment les artistes arrivent à faire des sous? Parce qu'ultimement, il faut quand même manger, payer le loyer. Mm-hmm. D'où l'autre avantage de rester indépendant. Je veux dire, il y a bien plus de chances qu'Adèle se fasse télécharger qu'André Varin. Oui. Donc, ça veut dire que moi, ma clientèle, c'est des gens qui achètent encore des CD sur le coin d'une table après un concert. Après un concert. Oui. Donc, il y a encore moyen de gagner sa vie. De toute façon, le CD, il faut... Tu sais, quand on est travailleur autonome, on a un magasin, on a un resto, puis tout ça, la pub, combien est-ce qu'on met de pubs par année pour attirer le monde? Des frais astronomiques. Ouais. Donc, le CD, moi, je le considère comme ça. Le CD, c'est pas un moyen de devenir millionnaire. Oh, oui, si t'en vends 18 millions, on est mort de rire. Ouais. Mais c'est un moyen de publicité aussi. Donc, ça devient une carte d'appel, ben presque, que les gens peuvent se partager. Tout à fait. C'est ça qui nous permet d'aller approcher des clients pour faire des concerts, de participer à des festivals, puis ainsi de suite. Donc, c'est des cartes de visite. Mais je trouve que c'est une belle... Rester indépendant, je pense que c'est... Tout le monde rêve de signer le gros contrat. Ouais. Je pense que des fois, c'est pas toujours la façon. Faut pas confondre être vouloir gagner sa vie en musique et vouloir être vedette. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de vedettes qui crèvent de faim. Oui, effectivement. Effectivement. Écoute, tu as eu ton lancement le 6 mai dernier. Ouais. Les gens vont pouvoir te voir Folk Guitar Festival. Oui, Folk et Guitar Festival le 11 juin à Elmer. OK. Festival de Montgolfière. Montgolfière le 5 septembre. À la télévision. Oui, j'ai fait l'émission pour le mot du country en 2017. Ouais, c'est fun, ça. Et les gens peuvent acheter son album via iTunes aussi. iTunes, mais il va être disponible aussi chez Archambault et chez HMV. C'est bon, c'est bon. On va pouvoir acheter ça. Je te remercie beaucoup, André Varin. Hey, merci à vous. Merci beaucoup, André. Donc, nous, on fait une pause capsule avec la chef André Rifou.